Bonsoir, donc voici un match contre Dadwix. En fait, il voulait sa revanche, donc je me suis dit que j'allais lui donner. Moi, je commence en fait avec Ectoplasma, et lui, il a dit Dimoray. Donc, je suis obligé de switcher parce que un temps chu dans la gueule, ça fait très très mal. Donc, je suis obligé de ramener mon Staller. J'ai pensé en fait à faire un mur, mais je me suis dit je vais faire Hypnose, comme ça je vais l'endormir, et ensuite lui, il va switcher. Donc première hypnose elle rate, lui il fait une deuxième dans Slam. Je pense que c'était une de ses erreurs, il aurait dû me faire tranche nuit. Et donc moi ensuite je switch. Je mets Ectoplasma, parce que en fait j'ai Mitra point. Et je me suis dit, il est ceinture de force, de toute façon il va résister. Donc je fais Mitra point, il résiste comme prévu. Mais là je pense qu'il s'attendait pas à ce que j'allais faire, je vais lui faire Kuba. Voilà, je lui fais Kuba sur Ectoplasma, c'est physique. C'est une attaque qui a forcément la priorité si le Pokémon d'en face fait une attaque. Donc voilà, lui je pense qu'il ne le savait pas. Donc je refais Kuba. Il est Lifeform. Allez hop, ça lui nique toute sa vie. Donc Ectoplasma en deux coups vient de en trois coups vient de niquer deux Pokémon. Là il me ramène la Lagoon. J'ai pas forcément fait le bon choix en fait en faisant ce que je faisais. C'est-à-dire que j'ai switché pour mettre Skymin et ensuite faire la Vampigraine et lui drainer ses PV. En fait j'aurais tout de suite dû faire ce que je vais faire maintenant. C'est-à-dire que là je vais lancer une explosion. Et en fait j'aurais dû lancer explosion tout de suite. Comme ça au moins il serait mort. Et j'aurais plus de problème avec lui. Et comme ça Ekto se serait fait 3 Pokémon de sa team. Je dis bien 3. Malheureusement il résiste. Bon, je sais pas trop quoi faire. Donc je me dis que je vais placer mes murs gentiment. Donc lui il me fait cascade, ça me fait super mal. Moi je place la protection parce que c'est une attaque physique qui me fait en premier. Et bon, je me dis après la protection qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchis un petit peu. Lui il switch direct. Moi ce que je fais, je place la pige de roc pour les Pokémon pour les Pokémon suivants. Lui il me fait casse-brique malheureusement. Moi je fais hypnose. Comme ça au moins il dort. Je vais ramener Suicune. Et je pense que le match va s'arrêter là. Parce que à partir de ce moment-là, Suicune ne va plus du tout bouger. Et va lui faire le reste de sa team. Donc Ectoplasma à 3 po Ectoplasma on va dire 2 Pokémon ennemis. Et Suicune, 3 Pokémon ennemis. Voilà. Donc en gros, ça se résume à 2 Pokémon dans le match. Bon. Je pense qu'il a pas forcément bien joué non plus. J'ai peut-être bien joué. Mon Ekto l'a surpris, sûrement, parce que personne ne s'attend à un coup bas sur Ectoplasma. Là, moi, je lui fais hurlement. J'ai peut-être mal fait, parce que ça me fait perdre pas mal de PV. Ça me fait perdre à peu près 120 de PV. Et bon, là, tout à l'heure, son Ekto, son Archeodong m'a pas fait grand-chose. Donc, je me dis que je vais comment continuer à placer le Plénitude. Lui, s'il veut, il me place pige de roc. Hein. Qu'est-ce que ça va me servir hein. Franchement, ça me fait rien du tout. Donc, moi, je continue sur mes plénitudes. Parce que il a pas de phaser. Bon, chose pour moi, en fait, un phaser en fait, dans une team, c'est bien d'en avoir un. Je pense que c'est très utile. Après, il y en a qui jouent sans. Mais bon, ça me fait penser au match de Wabaki contre Link. Où Link s'est mangé de 6-0 parce qu'il avait pas de phaser. Juste à cause de ça. Donc comme quoi, on peut se manger 6-0 si on n'a pas de phaser. Désolé pour toi Link. Donc là, je me dis que je vais lui faire surf et qu'il va mourir. Malheureusement, il meurt pas à cause de mur lumière. Là, j'ai réussi à placer 4 plénitudes. Bon, j'ai pas réussi. Je refais surf. Bon, pour qui bon. Pour qu'il soit définitivement dead. La mur lumière ne fonctionne plus dans la team. Chose qui est très très bien pour moi. Bon, il lui reste plus qu'Archeodong. Je me dis que je vais placer toutes les plénitudes. Pour m'amuser. Hein, sincèrement. C'est juste pour m'amuser. Pour savoir est-ce que si j'ai 6 plénitudes et que je lui fais un surf, est-ce qu'il va mourir? Bon. C'est à voir. Sachant que là, Gyro Ball, franchement, c'est x05. Ça me fait perdre que dalle. Là, je suis à 6 plénitudes. Donc il me reste plus qu'à faire une seule chose, surf. Et donc surf, ça va pas le tuer en un coup, malheureusement.
Donc il me reste plus qu'à lui faire encore un surf et donc ensuite eh bien au revoir Dadwix. Tu as eu ta revanche, je te fais surf là, allez, vas-y dépêche, j'ai pas que ça à faire. Donc je fais même laser glace, tiens, pour le fun. Pour voir s'il allait résister. Donc voilà, t'as eu ta revanche, je te remercie de ce match et ben je te dis à